funny feeling deep in my stomach. Ain't nobody laughing, ha-ha-ha. I think the joke's on me. Feel it in my bones, feel it in my soul, feel it in my spirit. No, I shouldn't put it all on me. If I do, canceled. If I don't, either way I'm wrong. I'm just trying to get this weight off me. Didn't have a half, so I took a quarter, sipping holy water while I listened to hip hop cruise. There's a war going on outside. Nobody see it but me. There's a war going on outside. Nobody see it but me. Watch the news, no, 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 cause my ain't shit. So be careful what you say for views. Tried to talk about it, tried to walk around it, tripping. Now I'm drowning, and my aura got them ocean blues. Felt like I'm above it until it's my cousin, and I gotta tell his mama what I did not do. Why weren't he with you? Why my dad removed? Voici un joueur sur lequel le club compte énormément. Est-ce qu'il va redonner des couleurs à cette équipe? On devrait être fixé dès son premier match sous ses nouvelles couleurs. Salut à toutes et tous, bienvenue à Stamford Bridge où les conditions météo vont être vraiment idéales pour cette rencontre. Et pour commenter ce match, il fallait ce qu'il y a de meilleur sur la planète. Et c'est moi qui ai été trouvé. On va suivre ensemble une rencontre qui marque les trois coups de la saison de Premier League. Chelsea contre Crystal Palace. C'est un moment bien sûr d'excitation, la reprise du championnat. Tout le monde est plein d'espoir. Voici les 11 titulaires pour les Blues de Chelsea. On connaît le style de jeu de cette équipe. Elle va, comme toujours, aller presser très haut aujourd'hui. La composition de Crystal Palace. C'est un 4-3-3 assez classique qui a été retenu. Ici à Stamford Bridge, l'arbitre qui a donné le coup d'envoi il y a quelques instants. Lukaku qui poursuit son action. Ça n'ira pas plus loin. Ils sont allés presser l'adversaire pour aller lui prendre ce ballon. C'est remarquablement fait. Lukaku. Plongeon magnifique! Et la parade exceptionnelle de la part du gardien. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Kanté. La frappe. Pas de souci pour le gardien. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. Luka Milivojevic. Benteke. Ah, bonne intervention. Intervention parfaite. Hein. Bonne anticipation. Christian Pulisic. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, il ne faut pas les laisser jouer. Allez, gros danger là pour Lukaku. Ah, la magnifique reprise. Magnifique reprise de volée. Qui méritait mieux mais qui passe à côté.
les matchs. Je crois qu'il y a un but à Burnley. Il y a un but à Burnley. Alors, dites-nous ce qui se passe à Turf Moor. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur de Burnley. Oh, encore le poteau. Christian Pulisic. Il la joue un petit peu comme au Rwanda. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Il n'y a pas de danger là pour la défense. La trajectoire a été bien jugée dès le début. Il y a donc dans cette équipe un joueur qui va faire ses premiers pas aujourd'hui. On est assez curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas, il a des qualités vraiment. Ziyech. Ouais, Chelsea qui se trouve bien, qui fait bien circuler le ballon. Bon, ils n'iront pas plus loin sur cette action. Il y a un but à Goodison's Park, direction le nord de Liverpool. Oui, oui, Hervé, c'est le premier but. Et le ballon bloqué par le gardien. Luka Milivojević. D'un Axel Zagadou. Solé March. Hors-jeu, indique l'arbitre assistant. N'Golo Kanté. Kanté qui continue de progresser. On va chercher une solution à l'intérieur du jeu. La frappe qui passe à côté sans trop de problèmes, il fallait avoir l'œil. Mais la trajectoire a été bien jugée. Jones. Benteke. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Dans la possession, c'est surtout l'équipe locale qui a le ballon en ce moment. On va voir cette équipe prendre l'avantage quand même. En tout cas, elle s'y prend de la bonne manière pour y parvenir. Ouais, il élimine son vis-à-vis. Jorginho. Kanté. Ah ouais, le ballon qui circule bien. Ziyech. Et but ! Et oui, but ! L'ouverture du score ici. Splendide cette frappe. On la revoit avec plaisir. Impeccable, trajectoire tendue. Rien à dire. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Kaku. Ziyech. Benteke. Solé March. Luka Milivojević. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. C'est dangereux. Oh oui, le but, c'est l'égalisation. On voit tout ça, ce centre en retrait d'abord. Ensuite, à cette distance, c'est clair que c'est difficile de rater. Et ils égalisent donc un but partout. Golo Kanté.
Allez, peut-être une bonne occasion. Jorginho. Avec Ziyech. Encore Kanté. Ah, il gagne la possession. Ah, bien joué le gardien, il fallait y aller sur ce ballon en profondeur. Kanté, il a perdu le ballon. On voit que l'équipe a décidé de faire bloc devant son but. James MacArthur. Ah, il détourne le ballon du bout des doigts, le gardien. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Mauvais dégagement, mal fait. Le tir. Allez, un partout, on va en rester là à la pause. Mais il reste 45 minutes pour faire la différence. Les joueurs et les spectateurs qui sont prêts à Stamford Bridge pour le coup d'envoi de cette seconde période. Jorginho. Lukaku. Ziyech. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Ouais, il a le temps de centrer. Ce centre qui n'inquiète pas la défense, ça va pouvoir repartir. Il y a un but à Goodison's Park, direction le nord de Liverpool. Oui, 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 il s'agit du premier but en faveur d'Everton. Ça fait donc un but partout, tandis qu'on joue la 50e minute de jeu. Merci, c'était complet et c'était précis. Encore Kanté. Je pense que vous êtes au courant, mais Tottenham vient de faire signer ce grand espoir. Ça, c'est un joueur qui devrait quand même beaucoup apporter sur le terrain, dans le vestiaire également. C'est parti des joueurs qui comptent hein, dans un vestiaire. Mais ça fait un petit moment que les émissaires du club le suivaient. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Christian Pulisic. Encore Kanté. Lukaku. Ziyech. Liège dans la profondeur magnifique. Oh, le but! Le but qui leur permet de passer devant au score! On voit sur ces images la passe en profondeur, hein, tout par-delà. Et ensuite, ils décident de conclure en force. Ils sont face à face. C'était le bon choix. Attendez, je crois avoir entendu qu'il y a un pénalty dans un match qui se joue en ce moment, c'est ça? Effectivement, Hervé, un pénalty pour les visiteurs est transformé sans aucun souci sur une frappe puissante, plein axe, sous la barre. Le gardien n'a rien pu faire. On en est donc à 2-1 après 58 minutes de jeu. C'est parfait. Merci pour ces infos. Jorginho. Azpilicueta. Nous aurons rendez-vous avec du championnat anglais à l'occasion de cette rencontre. Chelsea affrontera Arsenal à l'extérieur. Et cette fois, l'équipe a officiellement gagné sa série. Romelu Lukaku. Et le but! Et au final, le
le but qui va être refusé. A priori une position de hors-jeu au départ de l'action. Très difficile à juger à vitesse réelle. On va voir ça. On a bien défendu. Christian Pulisic. De le canter. Il prend sa chance. Le gardien qui nous régale encore avec cette parade. Encore un joueur en deux temps. Et N'Golo Kanté à la récupération. Et le gardien, c'est pas fini. Il y a un but à Burnley. Il y a un but à Burnley. Alors, dites-nous ce qui se passe à Turf Moor. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Brighton & Hove. Un but inscrit par Harry Seferovic sur une frappe déviée. On en est donc à 2-1. Christian Pulisic. Superbe tacle et ce sera un corner. L'entraîneur qui ne prend plus de risques, hein, qui veut conserver ce résultat favorable. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Chercher une ouverture bien sûr. Attention le tir. Et c'est dévié, dommage pour lui. Son tir semblait cadré. Le corner est tiré au cœur de la surface. Et cette tête qui ne va rien donner. Ah, c'est bien défendu hein, surtout. On me dit qu'il y a eu un but à Watford. Est-ce qu'on peut voir ce qui se passe à Vicarage Road? Oui, Hervé, avec le deuxième but pour Aston Villa. Donc 2-0 pour l'instant. Tandis que l'on joue la 72e minute de ce match. Merci, c'était complet et c'était précis. Oh, superbe ce tacle à un endroit crucial. Vous voyez le rendez-vous hein, qui va vous être proposé, ce match à ne pas manquer. Quelque chose me dit qu'on devrait se régaler avec cette affiche. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Depuis 10-15 minutes, on constate vraiment que c'est l'équipe locale hein, qui dicte le tempo. C'est évidemment la meilleure façon de marquer encore un but. Hein. Un but qui lui permettrait à cette équipe de se mettre à l'abri pour de bon. Christian Pulisic cherche quelqu'un de démarqué. Ah, c'est joliment fait, hein, techniquement. Beaucoup de puissance, mais il faudrait quand même venir aider. Le ballon est perdu pour tout le monde, là. Hudson Edouard. Thiago Silva qui récupère le ballon. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Allez, il est en bonne position là pour centrer. Bien récupéré, bien joué. Bonne interception d'Azpilicueta. Ah, ça s'agite dans les tribunes. C'est vrai qu'il y a un but marqué à cet instant de la partie. Scellera le sort de la rencontre. Attention, il peut tuer le match sur ce coup. Et c'est pour le gardien. Il est récupéré dans le camp de l'adversaire. Allez, il faudrait qu'il centre très vite. Ouais, il est bien placé. Heureusement qu'il était là. Et ça joue en ce moment à Goodison Park, Everton. Apparemment, il y a eu un but. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Oh, l'égalisation! Oh, le coup de théâtre! On voit les images de la contre-attaque. Et pas de détails. Hein. En conclusion, dans le face-à-face, la frappe puissante pour conclure. De partout entre les deux clubs, c'est vraiment serré. N'Golo Kanté. On va jouer 3 minutes de plus. Ah, tout le monde tremble hein, sur cette attaque parce que ça va se jouer là. Et il l'a éliminé, attention. Donne en retrait. Et le but! Le stade qui s'enflamme!
Oh, le match qui prend une autre dimension dans les dernières minutes. On voit cette excellente inspiration, ce centre en retrait, toute la défense prise à revers. Et après, à cette distance, on imagine bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Un petit but qui les sépare désormais, le score est de 3-2. La fin de la rencontre.